Makoso, la queen du business, la reine des marmaillères. Est-ce qu'on peut marmailler les clients comme ça? Je vous dis cette vidéo, Kimi est en train de vendre ses produits. Mais en vendant ses produits, je vous dis non. Si vous voulez faire du marketing, il faut apprendre chez Kimi. Elle est la reine du marketing. Elle a tellement bien fait ça que j'étais là. J'étais en train de rire. En tout cas, ça m'a déstressée. Vous avez même l'air, j'ai fait cette vidéo parce que je venais de sortir à peine de son live. La manière dont j'ai souri, je vous dis, c'était bien. La manière dont j'ai souri, vous allez comprendre que ça m'a plu. Alors, je voulais qu'on partage avec vous. Alors, si vous êtes en train de faire du business, vous avez votre business que vous faites, vous voulez apprendre à faire du marketing, je vous prie de suivre la vidéo de Kimi. Vous allez vous régaler en même temps, vous allez également apprendre comment amener le client à prendre ou à commander vos produits. Et je vous dis, moi-même, j'étais haut. Je me suis dit, mais cette fille, elle a appris le marketing. Elle connaît les techniques. Elle connaît les techniques de ramener quelqu'un à aimer les produits, même si la personne n'a pas encore utilisé ça. Mais la personne va aimer les produits avant même de l'utiliser. J'étais là où je me suis dit, mais cette fille, elle a beaucoup de qualités. Oh, elle a beaucoup de qualités. Comment elle a réussi vraiment à arracher mon sourire? J'ai souri, je me suis dit, on va aller partager ça avec les papas et les mamas buzz chez Réseaux Sociaux Buzz. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous prendre trop votre temps, je vais vous ramener directement parce qu'il n'y a pas beaucoup à dire, seulement à rire un peu, à voir Kimi en train de marmailler ses clients, en train de faire du marketing pour que les gens viennent acheter des produits et tout. Ah non, c'était bien. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que en même temps, Kimi n'a rien fait aux gens, mais il y avait quand même des gens qui commentaient, ma toi là, je t'aime pas, toi là, toi là, toi là. Et heureusement, la fille n'avait pas dérangé. N'avait pas dérangé son humeur et tout. Elle a répondu, bien qu'en riant, mais elle a pu quand même répondre à ce personne-là de mauvaise foi, qui n'aime pas la paix, qui n'aime pas l'ambiance, qui n'aime pas la bonne humeur, qui n'aime pas l'humour, en fait. Elle a, tout en riant, elle a justement répondu à ce qui s'était passé, mais la partie positive de la vidéo, c'est que Kimi connaît comment faire son business. Essayer de donner de la valeur, voilà, c'est même les mots que je suis en train de chercher. Essayer de donner de la valeur à son business, à ce qu'elle fait. Essayer de donner de l'importance à ce qu'elle fait. Alors, je vous conjure, vous faites votre business, vos produits, apprenez à donner de la valeur à ce que vous faites. Apprenez à donner de l'importance, en tout cas, à ce que vous faites, c'est très important. Alors, appelez mon maman Rizzo, appelez mon maman Buzz. On va suivre Kimi en train de faire son business, en train de marmailler ses clients. Apprenez chez elle la gentillesse, la façon, le technique, c'est très important. Suivez la vidéo, on se retrouve à la fin. On va rire ensemble, en tout cas avec Kimi. Suivez. Bon, soit le savon et la crème, vous pouvez aussi commander. Mais moi, je vous conseille de prendre la gamme. Voilà, la gamme des lions, la gamme des caviar et tout. Oui, il y a une gamme thé métisse. Il y a une gamme thé métisse chez Eva Beauté Tactile. Voilà. Non, ça c'est une gamme genre teint clair. Moi, ma gamme, c'est une gamme teint clair et tout. Les filles de teint, c'est pas éclaircissant. Voilà. Elle n'est pas éclaircissante et tout. Elle est, voilà. Elle va apporter juste un glow. Elle va apporter un glow à ton teint. Voilà. Si ton teint était bizarre, cette gamme, elle va ressusciter ton teint. Elle va ressusciter ton teint, elle va te débarrasser de tout ce qui était imperfection et tout. C'est-à-dire, elle va te rendre ton teint uniforme. Elle va chocolatiser ton teint. Cette gamme-là, elle est faite pour toi. Si tu n'as pas encore commandé ta gamme, c'est le moment d'aller commander chez Eva Beauté Tactile. C'est le numéro qui est en commentaire, tu captures, tu vas. C'est-à-dire que tu vas commander le produit, tu ressors le produit, une semaine, ton teint change. C'est-à-dire, vu ça où? Semaine, ton teint, ta vie change. Yo, Léo, ton teint change et puis c'est tout. C'est tout. Aïe, tu as un teint inachevé, ton teint est bizarre, tu passes dans la rue même. C'est-à-dire que toi, tu es de teint noir, tu passes dans la rue. On dit pas, yeah, ma chérie, choque mon chocolat. On t'appelle pas café, cacao. Tu es de teint clair, on t'appelle pas la blanche. On t'appelle pas la métisse dans la rue. C'est que toi, il faut te poser des questions. Quel type de produit tu utilises pour ta peau? Question mark. Viens utiliser les bons produits. Les produits d'Eva Beauté Tactile. Aïe!
Tu lis ça là, tout ce qui était végétu sur toi, entre jambes noires, ou tes aisselles noires passent au rose. Tu as déjà vu ça où? Tes aisselles qui étaient noires, tu as utilisé toutes sortes de produits, ça n'a pas pris. Viens tester la gamme de Eva Beauté Tati. Tu vas tester, tu vas témoigner. C'est de ça que... Oh, attendez d'abord, je vais applaudir. Alors, là, je coupe mon live. Je vais dans ma salle de bain dans le but d'aller me faire mon gommage professionnel. Ce gel douche, c'est un gel douche comment? Il y a des grains à l'intérieur. Tu as déjà vu ça où? Si tu as vu ça quelque part, c'est que la personne a triché Eva Beauté Tati. C'est Eva Beauté Tati qui a envoyé ça ici. C'est moi qui ai dit, c'est fini. C'est moi qui ai dit, c'est fini. Oh, eh, moi, ça va augmenter aussi là. Donc, c'est une blague à part. Ce gel douche, il y a des grains. C'est un gel douche comment? Voilà, il y a des grains à l'intérieur. Tu appliques, tu te gommes la peau. C'est un savon. Et puis en même temps, il y a un gommage dedans. Tu as vu, non? C'est-à-dire, tu vas dans. Avant d'entrer dans la douche, voici ma douche ici. Avant d'entrer là-bas, là. Tu prends, tu frottes, tu fais ton gommage propre. Tu attends 10 à 15 minutes, comme ça tu vas te laver. Quand tu sors de la douche, il dit, bonbon Mentos n'a rien fait. Ton teint respire, il dit, tu es fraîche comme ça. Et puis tu finis d'appliquer tout ça, tu finis de yurugu yurugu ton teint, tu yurugu yurugu ta peau là. Tu prends le lait de corps. Tu appliques ça. Lait de corps, pas de visage. Tu as appliqué sur ton visage. Ah, si ton visage a deux couleurs des mains, faut pas venir m'accuser. On dit lait de corps. Si tu as pris ça que tu as mis sur ton visage, si c'est devenu deux couleurs, ne venez pas m'accuser. Si les gens viennent te dire, Kimi, j'ai testé ta gamme, mon teint est devenu bizarre. Demandez, tu as appliqué, va là-bas, tu m'énerves. Yeah. Oh, mon chic comme ça, il est énervé. Tu as moi. Mon frère, il faut dire que tu as envie de causer à moi. Il faut dire. Si tu as causé à moi, il faut venir en causer. Il faut venir en causer si tu as causé à moi. Moi, je suis comme ça, ça me détester. Tu n'as pas m'aimé. Aïe. On continue. Non. Donc voilà. Il danse pour quoi maintenant? Il est venu vendre les danses. C'est mon salaire qui est en jeu. Donc voilà, blague à part, c'est cette gamme-là que j'utilise pour ma peau. Blague à part aussi, moi, je n'utilise pas trop le gel douche. Moi, je suis tout le temps pressée les matins. Voilà, je suis tout le temps pressée les matins et tout. Donc, c'est plus ce savon que j'utilise et tout. Voilà, c'est plus ce savon que moi, j'utilise. Savon de visage, ça, c'est chaque matin, chaque soir. Même quand je veux tuer Kabri, là, savon de visage, là, ça ne manque pas. Il pense à yurku sur mon visage. Non, c'est pas éclaircissant. Voilà, si tu veux t'éclaircir la peau, tu lui dis, Eva, moi je veux blanchir. Elle te donne les produits pour ça. Si tu as le teint noir, que tu veux garder ton teint, mais tu veux un peu, tu veux que ton teint brille. Ton teint noir là, genre ça puisse briller là. C'est-à-dire quand tu passes dans la rue, le soleil te tape un peu. Il dit, tu brilles comme ça, on ne comprend pas. Pourtant, il est de teint noir. Si tu as besoin de ce teint là, va chez Eva. Elle va te donner les produits. Tu appliques. Ça deux semaines, une semaine, tu as conjugué le verbe glow au présent de l'indicatif. Voilà. Ah, c'est combien en dollars pour le prix? Vous contactez Eva Beauté Tati. Attends, je donne son numéro avant de continuer. Yeah. Non, je ne suis jamais sorti à l'aise comme ça dans une. C'est-à-dire dans un. Attends, mais il est dit. Je ne me suis jamais. Je me suis. Yeah. Attends, il a tous les jours. Les... C'est quoi? Il était fait quoi? Tous les jours, les proverbes. Je suis fatiguée. Quand il met ses bloqués, tu as dit la petite fille, elle est impolie. Oh. Tous les jours, la petite fille, elle m'envoie un message. Tous les jours. Petit. Il a signalé, il a dit à ma patronne que je suis en live. Oh, yeah. Faut pas y yeah. Attendez, oh. Allez commenter au. Oh. Non, si vous dites ce qu'il a dit, il a me fait sortir chaque matin, chaque soir. Mon mesi, il a me dit. J'en peux plus. J'en peux plus. Bref, blague à part. En tout cas, les produits de Eva Beauté Tati, la testé et restée. Aïe, elle a fait des produits cosmétiques. Elle dormait, le Seigneur Jésus est descendu.
il est passé dans son rêve. Il dit, ma fille, je te donne les... C'est-à-dire, je te donne... Il a perdu le mot là. Kim, il faut te rappeler. Il a perdu le mot là. Et à Talakou, il allait faire tout à l'heure là. Voilà. Il a dit, Eva Boti Tati dormait. Un soir, elle était dans sa galère. Le Seigneur est descendu. Il dit, ma fille, je te donne un secret. Va et sublime le thème de tes copines. Il dit que... J'ai dû ressusciter vos thèmes qui étaient excités. Il dit ça doucement pour pas. TikTok va bloquer mon life. C'est de ça qu'il s'agit. Hey, tu es chez toi à la maison. Tu commandes produit. Tu testes. Et puis deux semaines après, ton teint devient... On dirait que tu t'es battu, tu es ponté, végétu. Et sur toi, on dirait... En tête à griffer, c'est quoi ça? Allez commander produit là. Allez commander. Je suis fatiguée de voir les thés inachevés. C'est dit, tu as été inachevé. C'est toi qui te promènes, tu n'as pas honte. Hein? Ton thé inachevé, tu te promènes dans la rue et puis c'est toi, tu ris à qui? Quand on a thé inachevé, on rit pas. On ne répondait pas, tu riais, il faut aller réparer ton teint qui est inachevé là chez Eva Beauté Tactile. On te donne les bons. Attends, il y a communiqué le numéro là. Prends le numéro là. Prenez-le. Attendez, mais ta ref. Hey, attendez. Je n'ai pas dit toi. Hein. Attendez d'abord. Comme il parle doucement là, vous. Prenez le numéro. Attendez. Prenez le numéro. Hey. Attendez, vous allez prendre le numéro là sans. C'est quelle connexion? Tu peux mettre. Tu peux pas te mettre. Bon, bref. C'est quelle connexion ça? On peut mettre le truc pour enchaîner mon Atalakou. Tu veux pas te mettre. Le numéro, prenez le plus 225, le 07, 06, 52, 47. Prenez-le. Prenez, c'est pas moi qui est en train de crier si vous oubliez de prendre le numéro. Voici le numéro qui est devant toi. Si tu n'as pas. Yeah! King! Prenez-le. Voici le numéro qui va changer ta vie à jamais. Quand tu vas prendre le numéro, tu vas aller contacter Eva Beauté. Tu vas commander le produit. Attrape ton cœur, va commander le produit. Tant mais tu as fini, tu as dit, hein? Qui m'avait dit? Quand on était de parler d'Eva Beauté, comme il rit, tu connais sa musique. Tes amis vont avoir un chic. Les chics teint de 16h ici, les chics teint de minuit. Toi, tu seras encore dans ton teint inachevé. Ton teint, on dirait que tu t'es battu et panté. C'est-à-dire que végétu est rempli sur ton corps, on dirait panté, même t'as griffé. C'est-à-dire, karaté, kung fu, tu allais faire. Non, ça suffit. Je suis venu vous donner le bon plan. Prenez le numéro, prenez-le! Le plus 225, le 07, 06, 52, 47, 15. Il y a pour tout type de teint. Et tant si bonne question. C'est vous qui venez d'arriver, il y a pour tout type de teint. Pour tout type de teint, tu es noir ou tu veux garder ton... C'est ton univers. Tu veux... J'espère que c'est un sur moins. C'est voie deuxième passé. Il sort de TikTok univers. Qui gagne TikTok univers là-bas? Je sais que c'est comme ça, les détracteurs là sont. Quand on voit les cadeaux là, ils sont comme ça. C'est là, elle fait quoi de bon? Mais puis on lui envoie un cadeau même. Elle m'énerve. Elle fait quoi de bon même? Les gens ont faim ici. Les gens ont faim. Elle est là tout. Elle est là tout. Et vous avez dit tout.
Je vais te dire tout. Nous, on a faim ici. Tata, on voit les cadeaux à Kimi. Kimi, mais Kimi, elle a déjà l'argent. On voulait envoyer les cadeaux. Pourquoi c'est moi qui vous ai dit là? Mais c'est mes tata qui capte un peu. Ah, c'est ça qu'il s'agit. Après, c'est pour mes tati. C'est de ça qu'il s'agit. Hi. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Soyez heureux. Quand tu es heureux, ça veut dire que quand tu es heureux pour quelqu'un là, Dieu même se souvient. C'est-à-dire qu'il dit, ma fille là, à chaque fois que ses amis ont quelque chose, à chaque fois que les gens ont des trucs, elle est toujours heureuse. C'est là, il faut qu'il fasse. C'est-à-dire le bim, il va faire descendre du ciel là. Étonné même, c'est vrai, étonné. Mon cher. Donc voilà, la crème de visage qui est là pour embellir ton teint, rendre ton teint chic, propre, uniforme, chocolatiser ton teint. Le gel douche, voilà, gourmand. C'est-à-dire, il va clarifier ta peau. Il va te donner un teint chic, un teint élégant, un teint café cacao, un teint, c'est-à-dire un teint caramel, comme le mien. Voilà. Tu finis de te laver avec ça, tu appliques ça. Ou ça, tu finis de te laver avec ça, tu appliques ça. Ça, c'est le matin. Ça, c'est le soir. Et ensuite, quand tu finis d'appliquer la crème, tu vas dormir. Ça, c'est uniquement les soirs. Le matin, tu appliques une pommade neutre. Et ensuite, le matin, avant d'aller, quand tu finis de te brosser les dents, voilà, tu veux laver ton visage et tout, tu appliques ce savon, ce petit savon qui est là, qui sent hyper bon. Tu l'appliques sur ton visage et tout, tu laisses reposer 3 minutes. Je te promets avec, voilà, je te promène un peu dans la maison et tout. 3 minutes arrivent, tu vas, tu rinces ton visage et tout. Tu finis de rincer ton visage, maintenant tu appliques ta crème qui est là, là. Voilà, ta petite crème et tout. Attends, je vais vous montrer, pour vous montrer que moi-même j'utilise. Voici ça, y est, crème là aussi, d'ailleurs. Ma crème, ma aussi. Seigneur Jésus. Il y a tout qui est dans la crème, là, Seigneur. Mon cher. Allez commander vos produits de chez Eva Beauté Tactile. Ah, la mégopo, la faiseuse de thé. La fée des produits cosmétiques, la reine des produits cosmétiques. Si on dit qui a dit, c'est Kimi qui a dit. Hi. Qui est à part Eva Beauté Tactile. À part Eva Beauté, si on dit. Yeah, à part Eva Beauté Tactile, genre, y a qui? Y a qui? Dites-le moi, je vois. Elles sont où? Je les vois. C'est-à-dire que quand on dit produit, on dit vendeuse de produits cosmétiques, là, hein, on dit elles sont alignées comme ça. Quand Eva arrive là, elles font pause et puis Eva passe. Hey, il n'y a rien. Ah non, attendez. Non. Hey, vous ne voyez pas comment mon teint est devenu un peu chic et tout. Comparez mes vidéos du début et puis mes vidéos de maintenant. Comparez mes vidéos. Et au début, c'était... Hey, mon vieux était... Là, il y avait... Et rien, mais les captures de mes débuts, les tchia, il est loin. Fisa est sec comme ça. Mon vieux était sec comme ça. Tchia. Pien sec. Mais bon, yoléléo, ma vie a changé. Tchia. Je ne peux plus retenir dans ça encore. Mon thé était inachevé. Les gens qui venaient me payer pour vendre leurs produits là. Yeah. Non, ça c'est visibilité. Vous êtes en train de chercher où? Vous dites, ah la petite, quoi visibilité même? C'est visibilité. Comme vous avez vendu, on a venu. Yeah, yeah. Après ça, quand il parlait, au début, quand il parlait de produits cosmétiques, il venait faire atalakou des produits là. Et les gens m'écoutaient comme ça. Hein? Elle dit, quoi même, c'est là. Mais maintenant, quand il parlait de mon teint, qui va venir conjuguer avec moi? Yeah. Quand tu regardes mon teint, ça dit que quand. Pour les gens qui m'ont vu en vous, les gens qui m'ont vu au brunch, confirmer le code. Mon teint n'était pas chic. Mon teint n'était pas... Oh non, il dit, moi je ne suis pas clair. Vous voyez, c'est la lumière qui fait, moi je ne suis pas clair, moi je suis bronzé, un peu clair. Voilà, je suis teint caramel. Voilà. Ah, mais tata a confirmé. Si mes tata ont confirmé, qui suis-je pour ne pas... C'est-à-dire, qui suis-je pour ne pas me donner un petit Jean? C'est ça la vie, il faut toujours te donner un petit Jean. C'est de ça qu'il s'agit. Allez commander vos produits. Et aujourd'hui, il est dur. Oui, il sait que mon salaire va augmenter. Il sait que mon salaire va augmenter. C'est de ça qu'il s'agit. On me dit, il dit, ma grande Eva Beauté Tati m'appelle. Il dit, ah, Kimi, non, tu as des abonnés. Il dit, ah, mes abonnés, quoi?
je me sentais plus. Et plus. Elle dit, non, Kim, tu as une team. Ah bon? Mais je vais dans les filles qui sont habituées. Hein. Ah, merci beaucoup, grand homme. Mais il dit, il y a une cachette, c'est écrit. Mais il m'a dit, moi, je vais commander. Non, Mathieu, quand il dit lion, la personne qui dit Mathieu n'est pas lion. Là, il y a la personne qui a appelé Mathieu chat. Vous allez conjuguer le verbe. Quel verbe? Bref, vous avez compris. Donc, voilà un peu. Si vous êtes intéressé, allez sur la page de Eva. Sur la page de Eva Beauté. Eva. Quoi? Oh, la joie de ça. Comme mercredi va arriver. Comme demain n'est pas cool, c'est pour ça qu'il saute. Attends, dis-moi, mardi soir. Si vous voulez me voir pleurer, c'est-à-dire que chaque soir, il pleure ici. Moi, il n'est pas étudié. Puis en France, ici, on donne beaucoup de devoirs. Tchis, ou quoi? Et là, c'est une prière retenue dans mon pays. Il va devenir. Il y a vendredi comme ça. Vendredi est fini à 19h. À cause de tes voix. T'aider. Attendez, imaginez 19h. C'est que mon papa a vu au précisé. Toi, il met la musique. Mais bon, on n'est pas venu pour s'amuser. On est venu pour chercher les diplômes. Et puis, il a dit qu'il y avait mes diplômes. C'est-à-dire, chaque matin, votre bonjour là. Et puis, c'est-à-dire, la tenue qu'il a portée pour aller prendre mon diplôme, c'est la tenue qu'il a portée chaque jour. C'est lui faire live. Chaque pendant un mois, cette tenue là. Et conjuguer le verbe. Qui n'a pas aimé la vidéo? Qui n'a pas aimé? Qui n'a pas donné son sourire à la vidéo? Si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas adoré, revoyez la vidéo. Je vous dis, cette vidéo, elle était sensationnelle. Elle était tellement... L'ambiance là que Kimi a mis pendant son live, la positive, elle était tellement positive, elle était tellement posée, elle était tellement confiante, elle était tellement joyeuse. C'est ce que j'ai aimé dans la vidéo. En tout cas, c'est ce que je voulais même vous communiquer. Donner de la valeur, donner de l'importance à ce que vous faites. Plus petit que ça soit, donnez ça de l'importance. Faites en sorte que les gens qui vous suivent, les gens qui viennent ou acheter, les gens qui vous voient directement aiment ce que vous êtes en train de faire. Ne négligez pas vos business, peu importe la nature du business. Même si tu vends le beignet, même si tu vends le cabri, même si tu vends quoi que ce soit là, même au coin du parcelle, même au coin de la route, même tu fais seulement une petite table là. L'essentiel, si c'est ton business, si c'est ton gagne-pain, donne de la valeur, accorde de l'importance à ça. Sois heureuse, ne t'occupe pas de ceux-là qui t'insultent. C'est ça même le message de Kimi pendant le live. Même si elle n'a pas dit ça clairement comme ça, mais elle a démontré ça. C'est très, très, très important, ça positif. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un qui voit que non, mon business seulement paye, le capital est petit. Ton capital, là, c'est ce que Dieu veut que tu puisses avoir. Ton petit début, là, ton commencement, là. Même si tu as une chaîne YouTube, même quoi que ce soit que tu peux faire, accorde de l'importance, de la valeur, de la manière dont tu fais ton travail. Tu vas ramener d'autres à commencer à aimer, à accorder de l'importance à ce que toi, tu fais. Nous allons dormir avec cette idée-là dans la tête. C'est très, très important. Les gens accorderont de la valeur à ce que toi, tu fais. Si toi-même, tu accordes de l'importance
à ça. Voilà. Appelez-moi Mama Réseau, appelez-moi Mama Beu. Si tu étais nouveau sur mon chaîne, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!